سميتي أسعد المقدر، رئيس الجمعية الممرضين المتدربين في القطاع الخاص. اليوم عطينا انطلاقة لبرنامج النخبة، برنامج اللي كيضم 24 دورة تكوينية بالمجان لفائدة الممرضين المتدربين في القطاع الخاص ولا الممرضين الخريجين ديال القطاع الخاص. برنامج تكويني اللي غادي يقوم بالمواكبة ديال الممرضين ديال الخريجين ديال المتدربين باش يرفعوا من الجودة ديال الخدمات اللي كتقدم للمواطن. وهادشي كلشي جاء تماشيا مع الخطاب المولوي اللي فيه عطانا انطلاقات الشباب اللي رشد القوى ديال الشباب واللي ولينا نوليو كفاعلين اساسيين في قطاع الصحه وخبقه في الجهه. كنشكر كاع الناس اللي ساهموا باش هذه الجمعيه تبان، وكنشكر كاع الناس اللي ساهمونا من قريب ومن بعيد باش نوصلوا للهدف ديالنا، من بينهم مدام اميره الشيخ اطار تربوي في قطاع الصحه معروفه في الجهه، من بينهم السي جمال العزيز اللي قدم لنا بزاف ديال المساعدات اللي هو رئيس لجنه الماليه حاليا في مجلس ديال اكادير. كنشكركم على التفاعل ديالكم، كنتسنى الاقتراحات ديالكم وتواصلوا معنا الا كنتم محتاجيننا ولا بغيتينا نطرقوا لشي موضوع في هذه الدوره التكوينيه، حنا راه الاشاره. شكرا. D'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Tamo El Gerali. Je suis formatrice senior dans le domaine privé, tout ce qui est développement personnel et métier. Éventuellement, je prépare un contenu, d'où l'ingénieur en formation, l'ingénieur de formation éventuellement. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de partager une formation sur l'excellence relationnelle dans le milieu hospitalier avec une population, une jeunesse d'infirmiers stagiaires dans le domaine, voilà, donc ici sur Agadir. Voilà, c'est une association qui œuvre pour permettre à cette jeunesse de s'adapter aux difficultés actuelles, de parfaire leur partie savoir-être, puisque le savoir-faire et le savoir, ils vont l'acquérir le long de leur formation de 3 ans. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir contribuer avec ma modeste expérience et un retour d'expérience sur une projection d'aller ensemble vers une meilleure, pour redorer le blason, et une meilleure, un programme, des programmes de travail ensemble pour donner la meilleure image du corps enseignant et pardon, plutôt du corps soignant, et à travers eux les infirmiers qui, même si les remerciements sont peu, tout ce que nous pouvons faire c'est de les applaudir et chapeau bas pour le corps médical d'une manière générale. Service avec plaisir. Je suis Cheikh Amira, je suis sage-femme, lauréate du secteur privé et je suis chef de l'association des infirmiers du secteur privé. Donc, c'est une première d'ailleurs sur le sud maintenant. Je suis chef de l'association des formations, nous y avons les étudiants, les stagiaires, ils visent d'ailleurs les stagiaires du secteur privé ou aussi les stagiaires du secteur public. Ou ce qui est important pour eux, ils sont le côté financier ou là, mais ils sont les stagiaires, mais par contre, ils sont la gratuité, presque les efforts qu'ils ont pour moi, l'ensemble de l'association. Ou là, ils sont dans le travail avec eux. Vu les formations les syndicats là au sein des écoles privées ou la maçonnerie les espagnols tenir les terrains de stage les tiquons encombrés, donc des formations à d'outils à nous l'idée de notre chez idole qu'tem, où je les remercie davantage, où je remercie aussi le président de l'association Léo Monsieur Assad, je remercie les membres de l'association aussi, les écoles les canons de l'association l'idée à mon par l'école de l'Mahad l'Ifriqi, il y a l'école des anesthésistes, l'école de l'IPAF, il y a l'école des Tikiwin, les autres écoles aussi, les canons à mon très bien cambine, c'est un moment où je suis comme un peu ça. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.